Pétri de classe, El Villaggio fait la montoira des Rouge-Terre aux côtés de son propre frère, le célèbre village mystique. Plus jeune, El Villaggio est entré au Hara en 2018 après une carrière de course riche de 10 victoires, dont 5 succès à 3 ans. C'est donc le propre frère de village, donc c'est un Love You. Maintenant, voilà, ça a pu faire ses preuves avec Ready Cash, les deux chefs de race. En pleine possession de ses moyens, El Villaggio fait étalage de sa classe lors d'un succès dans le prix Saecilia, groupe 3, à Paris-Vincennes, où il pulvérise l'opposition. El Villaggio qui surgit au centre maintenant avec Elvis Madrick. El Villaggio qui a pris l'avantage, Elvis Madrick qui est passé deuxième. El Villaggio qui a fait la différence devant Elvis Madrick. El Villaggio qui va l'emporter devant Elvis Madrick. El Villaggio l'emporte, Elvis Madrick est deuxième. Il gagnait vraiment très facilement. C'était sur les 2700 mètres de la grande piste. Et il avait gagné sans avoir à forcer du tout. Et il a le potentiel génétique et il l'avait sur la piste. Malheureusement, il a eu des soucis de santé qui l'ont écarté des pistes à un moment, plusieurs fois dans sa carrière. Malheureusement, voilà, ça a toujours été ces petits pépins de santé qui l'ont stoppé. Né de l'excellente poulinière Netschka d'Orgère, El Villaggio est un fils de Love You, un grand chef de race. C'est pas que le propre frère. Je pense qu'il était aussi bon que son frère. Il a eu des problèmes de jambes. Ça explique ses performances en demi-teinte. Il a quand même gagné groupe 3. El Villaggio est proposé en 2021 au tarif de 200 euros à la réservation, plus 1800 euros poulain vivant à 48 heures. La première génération sur des jeunes yearlings. Les premiers poulains sont vraiment très plaisants. Signés du père, avec beaucoup de sang. Tout s'annonce vraiment bien avec lui. Je pense que pour les éleveurs qui cherchent le sang de Love You, c'est vraiment à un prix défiant toute concurrence.